les gens, ici c'est Shadowheart, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 sur Kingdom Hearts 1,5 Chain of Memories. Et comme vous pouvez le voir à l'instant, tout est nettoyé, tout est beau. On doit aller ici, oh il y a beaucoup de trucs. Ensuite on ira ici, et ensuite on ira tuer le boss ici. Et tout sera bien, kiffé bien. Ah non, le boss il est ici plutôt, là c'est une salle secrète. Mais il faut avoir récolté la clé spéciale comme ça, qui se récupère que certaines fois. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite. On va débloquer ce truc là avec ceci. Ensuite, une carte où j'en ai 7. J'ai celle-ci, où j'en ai même 2. Voilà, c'est magnifique, c'est de toute beauté. Je vais récupérer un Joker il y a pas longtemps. C'est juste génial. Ça permet de remplir n'importe quelle condition. Donc je vais le garder pour les salles suivantes. Pour les paliers suivants. Parce qu'il y a des paliers plus tard où ils demanderont de cumuler du genre 50 points en carte. Et avec une seule carte Joker comme ça, c'est rempli. T'as pas besoin d'en gaspiller une cinquantaine. T'as pas besoin d'en gaspiller l'état. Pourquoi vas-tu au palais, Aladdin? À cause de cette fripouille de Jafar, le vizir du sultan. Il s'est arrangé pour que je récupère la lampe magique de la caverne de merveille. Ouais. Ça gratouillait de sang cœur là-bas. Ça gratouillait, ça grouillait de sang cœur là-bas. J'ai eu la chance de retrouver vivant à Agrabah. Il n'y avait personne pour t'aider? Ce Jafar n'a pas l'air de donner des ordres aussi dangereux. Il ne manque pas l'air de donner des ordres aussi dangereux. Je te comprends, maître. Ça fait 10 millénaires que je fais le bonheur des autres. Mais est-ce qu'on m'aide, moi? Je rêve que quelqu'un me libère un jour, mais ça n'arrivera jamais. Et si j'utilisais mon troisième vœu pour te libérer? Ah mon dieu! Est-ce que mes oreilles fonctionnent bien, maître? Tu ferais ça pour moi, ou tu me mènes au bateau? Je te le promets, Jenny. Je ne veux qu'une seule chose, de toute façon. Alors, nous allons tout faire pour que tu l'obtiennes, Al. Je peux t'appeler Al? Que veux-tu, la gloire, la richesse, un troupeau de chameaux modèle de luxe? Eh bien, il est cette fille qui s'appelle Jasmine, la princesse d'Agrabah. Le problème, c'est qu'un vaurien comme moi n'a aucune chance de le rencontrer. C'est comme ça qu'a tout a commencé. Je suis allé dans la caverne de merveille pour mettre la main sur un trésor. Comme ça, Jasmine aurait accepté de me rencontrer. On dirait que ton vœu est de voir Jasmine quand tu en as envie. J'ai justement ce qu'il te faut. Tu pourras non seulement rencontrer la belle, mais tu auras la classe. En tout cas, le prince Ali, que dis-tu? En tant que prince Ali. Moi, un prince, tu peux vraiment faire ça? Bien sûr, Olastico. Les gens disaient donc vrai. Allons vite au palais. C'est moi où il a disparu littéralement de l'écran. Il avait même pas eu le temps de sortir de l'écran, que le machin avait déjà disparu. Son skin a déjà disparu. Ok, bon bah voilà, on va se retrouver dans la salle que je viens de nettoyer, je suppose. Vu que celle-là c'est fait. Même pas, ils nous ont mis dans la salle qui est juste là. Et du coup, on doit aller à celle qui est en bas, ok. Oui, c'est tout propre quand même, c'est tout beau, il n'y a plus rien. Tout a été cassé, tout a été détruit, tout le monde est mort. Magnifique. C'est de toute beauté. J'ai monté 2-3 niveaux, j'ai augmenté quelques trucs, mais rien de bien probant, je vous rassure. J'ai pas appris de méga skill ou trucs comme ça. Ah oui, celle-là, j'ai déjà... Enfin, je me suis trompé tout à l'heure, je voulais la déverrouiller. Et oui, vous étiez là, vous avez vu ça. Je suis bête, vous aviez vu ça. Faut savoir que les épisodes de Kingdom Hearts Chain of Memories, celui-ci, je crois que c'est celui qui me prend... Je crois que c'est ceux qui me prennent le plus de temps. Parce que je passe autant de temps entre les épisodes à nettoyer les salles et tout ça. Que à tourner un épisode en lui-même, quoi. Voire même plus à nettoyer. Et regardez ça! Qui est-ce? C'est Jasmine! Oh mon dieu! Elle est en train de se faire violer par des 5 heures! Elle a besoin d'aide! On n'arrivera jamais à temps. J'adore, on n'arrivera jamais à temps, quoi. Ça roule. Charge! On n'arrivera jamais à temps, j'adore, ils sont juste en au-dessus, quoi. La dernière fois, tranquille. On a eu le temps de courir jusqu'à lui, on est sorti. Jasmine! Pas d'inquiétude, elle est juste évanouie. Par contre, il ne te reste plus qu'un vœu. Et les 100 cœurs sont réapparus. Oh non, désolé Jenny, mais tu es le seul qui puisse. Attends, c'est ton dernier vœu, ne le gâche pas. Cette fois-ci, laisse-nous réaliser ton vœu. Nous sommes les génies de la Keyblade. Tu frottes un coup la Keyblade et voilà. Sora apparaît pour tuer tous les 100 cœurs qui sont dans toi, tranquille. Bon, lui peut réaliser qu'un seul vœu, hein. C'est juste tuer tout le monde. Hop, esquive. Hop. Voilà, hop. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un dingo. C'est utile, un dingo. On va faire la technique du... Je paralyse tout le monde. Hé, hey, paralyse tout le monde. Forcément, il n'y a personne à ce moment-là. Tant pis, c'est pas grave.
Boum. Hop, toi tu meurs. Hop, toi tu meurs. Ok, ah, vous êtes beaucoup plus en fait. Et on va faire la technique que j'ai développée, qui est le super gravitron. Brown. D'accord, c'était assez inutile. Hop. J'ai envie de tuer celui qui est là en fait, il m'embête. Hein. Aladdin. Aladdin qui est ultra pété en invocation puisqu'il découpe, mais de façon assez violente en fait. J'aurais pas dû faire ça. Aïe. Hop, laissez-moi tranquille. Allez. Simba, fais un peu le ménage. Voilà. Ah oui, ça spawn encore, ok. Bon, bah venez. On va s'amuser. Hop. Faut tuer le gros parce qu'il est chiant. Hop, il y a encore un gros. Un petit rapprocheur dans les dents. Voilà. Super gravité plus. D'accord. Tant pis. Je fais une invocation, mon gars. Hop. On va éviter d'invoquer pour trop perdre de temps. Un petit duodonal, ça va le faire. Ah, je vais pas. Voilà, c'est fait. Pas trop difficile, ça va, cette salle-là. Healer. Qui permet de recharger donc les cartes magiques, à l'inverse de la potion qui recharge que les cartes attaques. Puis après, il y a les élixirs qui rechargent les deux, quoi. Enfin, c'est ultra cheat. Et voilà. D'ailleurs, Jasmine a disparu du sol, hein. Tu vois, on n'a pas besoin de génie. Merci Sora, mais il ne me reste plus qu'un vœu. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, la lampe, elle a disparu. Tintintintin. On dirait que mon plan a échoué, Yago. J'étais sûr que tu gagerais ton dernier vœu. Entre la pauvre Jasmine en détresse et toutes ces merveilleuses créatures. Mais quelle importance, à présent la lampe est à moi. Je suis trop badass. Pourquoi fais-tu ça, Jafar? Je t'ai apporté la lampe comme convenu. Certes, mais je ne suis pas dupe. Tu voulais te servir de la lampe pour séduire Jasmine. Jasmine, toi, moi. Mais c'est raté, c'est moi que Jasmine va t'épouser. Toi? Toi avec ta barbichette, là? Si j'épouse la princesse, plus rien ne pourra m'empêcher de dire sultan. Tu n'es qu'un pion dans ce jeu, vaut rien. Génie. Voici mon premier vœu. Livre-moi Jasmine. Non, mais elle était déjà plus là. Génie, que fais-tu? Désolé, Al, j'ai les mains liées. Je suis obligé d'obéir à celui qui chatouille la lampe. C'est exact. Adieu, imbécile d'Aladin. Allons-y, Yago. Super, du coup j'ai perdu Jasmine et la lampe. Youpi. Tu te ramènes une autre fois. Si tu ne te ressaisis pas, tu ne reverras jamais Jasmine. Tu as perdu la lampe et après, tu peux la sauver sans l'aide du génie. Peut-être, perdre une personne qu'on aime, c'est triste, mais pas autant que ne jamais la retrouver. Sora, ce que tu dis, c'est très profond. Tu as raison, je ne dois pas aller baisser les bras. Je dois sauver Jasmine. Ah ouais, mais Jafar, il a la lampe. Ah, là, 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 tata. Peut-être que si, j'ai une idée. Écoutez-moi. On va faire une lampe à papier mâché. Clé véridique. Et vous savez très bien ce qui va se passer. Enfin, en tout cas, si vous avez regardé Kingdom Hearts 1, vous savez très bien ce qui va se passer. Vous savez très bien qui on va affronter dans cette putain de dernière salle qui s'annonce, mon dieu, au terrible. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, en fait, on est d'accord pour dire que je vais modifier mon jeu de cartes. Parce que, en fait, c'est de la grosse merde, double gravitron, là. C'est de la bonne grosse merde. Du coup, je préfère mettre un double brasier. Des familles qui me fera moins chier, je pense. Et pour ça, je vais hop faire ça. Comme ça, je mets ça devant. Hater, c'est 24. Ouais, 24, j'ai pas assez. Et potion, c'est 57. Ok, ça fait mal. 57, ça fait mal. Hein. 22, ça passe pas non plus. Ça c'est 10, mais j'ai pas envie de mettre une 1, c'est nul. D'accord, bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Parce que double gravitron en fait c'est vraiment trop nul. Là-bas c'est une clé magique spéciale qu'on n'a pas encore. Ensuite on va aller au fond donc pour activer la clé véridique.
Comme ça, je vais pouvoir spammer du brasier et plus. Ce qui pourra m'être fort utile. Hop. Tout ça, on a fait. Tout ça, j'ai nettoyé. Tout ça, j'ai nettoyé. Et voilà la clé grise. Alors, en dessous de 3. Mais c'est easy, mec. Je fais ça. Et voilà. Oui, il y a des fois, c'est super facile. Hein, je comprends pas. D'ailleurs, j'ai pas mal de trucs Mog. Mais j'ai pas beaucoup de points Mog encore. Parce que c'est vraiment des trucs qui coûtent assez cher. Les paquets de cartes. Mais c'est vachement utile. Mais plus on avance dans les niveaux, plus on a de chance d'avoir de cartes. Qui, elles, seront plus ou moins efficaces selon l'avancement des niveaux. Du coup, je préfère regarder mes points Mog le plus tard possible pour avoir des super bonnes cartes. Ah mon dieu! Que vois-je, Aladdin aurait-il renoncé à sa précieuse Jasmine? Je ne veux pas gâcher un vœu pour vous. Je vais même m'occuper de votre cas moi-même. Aladdin, à toi! It's a trap! Quoi? Encore toi? J'allais, attrape-le! Ça, c'était de l'effet de surprise de ouf, hein. Il est juste arrivé par un autre truc différent, quoi. Pardonne-moi, Al. Ah mon dieu! Tu t'es fait avoir, Jafar. Comment ça? Tu viens de gâcher un vœu, il ne t'en reste donc plus qu'un. Vas-y, utilise-le pour séduire Jasmine, mais tu devras d'abord nous vaincre. Oh, j'ai compris. Ce que tu es malin, Al. Oh, ce que tu es malin, Al, mon dieu. Ah là là, je suis tous époustouflés. Voilà une petite ruse indigne d'un sale petit rat d'égout. Mais tu ne vas pas plus loin que le bout de ton museau. Ton subterfuge n'y changera rien. Je vais vous écraser. Eh, alors Jasmine. Génie, je souhaite devenir le génie le plus puissant de la Terre. Ouais, tant pis. Et voilà. Comme vous vous y attendiez, pas du tout. Ah là là. Et on va se taper le super génie, super méga puissant. Et on va être téléporté directement dans un endroit super bizarre que vous connaissez quand même. Avec un tas de changements de l'infini. Voilà. Parce que magie, on a été téléporté dans une salle de boss, comme ça d'un coup. Voilà. Normal. Normal, tout à fait normal. Quelle étuve, c'est l'heure de Jafar. Bon, vous vous souvenez ce qu'on doit faire. Éviter de mourir, oui. C'est bien ça. C'est une bonne idée. Mais on doit surtout taper le piaf. Non, ça c'était une mauvaise idée en fait. Parce qu'il est un peu loin. Voilà, ça l'a pas touché. On doit donc défoncer Yago et la lampe magique. Exactement. Mais... voilà. Aïe! Je suis pas d'accord, ça fait très mal. Voilà, bon, je lui fais deux dégâts de suite, c'était un peu inutile. Ah non! Ne tombe pas, mon enfant. Ok, on lui enlève pas mal de vie. Hop, ça on va enlever. Où es-tu, Yago? Ah, je monte pas assez haut. Ça sert à rien de taper le génie, naturellement. Enfin, Jafar, je veux dire. D'accord, bon, il est vraiment trop haut, j'arrive pas à le toucher. Mes cartes sont assez pourraves en fait. Ah oh là 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 là. Bon, là je suis un peu. Je suis un peu U là. Attendez, il va faire une attaque. Voilà, une attaque 8 séparée. Hop, on va pouvoir jouer la carte Mickey qui va faire tout remonter tranquillement. Non, faut pas que je fasse ça. Faut que j'arrête d'invoquer. Simba, ça sert un peu à rien. Allez, vite. Hop. Je sais pas ce qui est sorti. C'est une carte Aladdin. Qui pourrait être utile. Mais je sais pas s'il va... Ah si, il touche, hein. Oh, il a bien déglingué, même. Ok, on va faire ça. Bam. Double truc. Ah là là. En fait, c'est bizarre, il saute pas directement. Oula, 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 j'ai pas de zéro, j'ai pas de zéro. Tiens. Hop. Une autre carte. Une carte Aladdin niveau 9, ça va être spécialement pour la fin. Ah, d'accord. Sauf si. J'ai pas de carte feu. Si, il y a moyen que je le vise. Allez, je peux pas viser Yago? Non. Hihi, vite, 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 vite. Non, c'est pas ça. Voilà. Oui, Yago. Il est là.
Allez, on va faire que Aladdin finisse Yago en bonne et due forme, et voilà. Même pas besoin de me battre, tranquille. Je reste là, et Aladdin fait le travail. Boom, bitch! Un petit niveau plus? Yeah! Easy, man. Voilà, combat très facile, hein. Pas très laborieux. Enfin, un peu laborieux parce que malheureusement, Sora, je ne sais pas pourquoi, il ne voulait pas sauter directement. Et on va apprendre donc coup de grâce qui va faire très plaisir. Niveau 17 déjà. Alors, asséner jusqu'à 3 coups à l'ennemi lors d'un puissant combo sauté. D'accord, en fait, c'est 3 trucs. 3 cartes de type différent, valeur de 10 à 15. Appuyez sur. Et d'accord, ok. Faut enchaîner donc avec des triangles. C'est une attaque donc combinée. Enfin combinée. Une attaque répercussive. Non, c'est super bizarre de dire ça. Une attaque où il faut appuyer sur le bouton, voilà. C'est tout. Coordiné, c'est ça. Coordonné. Alors, Jasmine est sauvée, nous avons récupéré la lampe. Youpi, il te reste un peu, Al. Oui, et il est temps que je le transforme en prince. J'aimerais être libre, mais les génies ne décident pas. De toute façon, tu dois être en colère à cause de cette Jafaribol. Jafaribol ? Est-ce qu'il y a une blague là? Jafaribol, est-ce que sérieusement, est-ce qu'il y a vraiment une blague là? Y a rien là. Vas-y Al, demande-moi ce que tu souhaites vraiment. Deviens un prince et épouse la demoiselle. Bon, j'y vais. Génie, je veux que tu sois libre. Allez, boum. Oh putain, je suis allé trop bas, waouh. Mais Al, voyons. Oh mon dieu. J'ai des jambes. Je ne suis plus... Je ne suis plus qu'une chatte. Plus personne ne se servira de toi pour faire le mal, génie. Tu es libre. Oh, la petite musique trop douce. En fait, là, à ce moment-là, Aladdin, il a réfléchi, il a dit « Je suis limité à 3 vœux parce qu'il est en génie. Est-ce que si je le libère, je peux pas avoir le vœu illimité par hasard ?» Mais pour Jasmine, que vas-tu faire? J'avais tort, génie. Si j'avais utilisé pour séduire Jasmine, je n'aurais jamais valu autant... J'aurais pas valu mieux que Jafar. Ah là là, sauf que j'ai pas de barbichette, n'est-ce pas? Jasmine est tout pour moi. Je veux lui montrer qui je suis. Tu as bien raison. Mais change de pantalon avant, parce qu'il est un petit peu troué. Merci Sora, et bonne chance à toi aussi. Pourquoi? Quand j'allais baisser les bras, tu as dit quelque chose qui m'a encouragé. C'est là que j'ai compris que toi aussi, tu cherchais quelqu'un qui t'était cher. Oh, c'est vrai. Génie. N'en dis pas plus mon ami, je sais à quoi tu penses. Tiens Sora. Tu as gagné la carte génie, tu peux m'appeler quand tu veux pour que je fasse absolument rien. Carte invocation de génie qui est aléatoire, comme d'habitude. En cas de besoin, n'hésite pas à m'appeler. Tu es d'accord, Al? Évidemment. T'es sûr? Ouais, plus sûr que même. Plus que sûr, même. Sans vous, les amis, je n'aurais jamais pu quitter cette lampe de malheur. Je pense qu'Aladin s'en sortira très bien tout seul à présent. Ok, sympa. Espérons que tes nouvelles se réaliseront. Sois prudent, Sora. No problem, bro. Je suis désolé, si ça se trouve on entend peut-être parce que il y a le Velux juste à côté et il pleut pas mal dessus. Et vu que j'ai réussi à l'entendre à travers le casque, c'est possible que vous l'ayez entendu aussi. Il y a une grosse goutte énorme qui a traversé le Velux. Tellement fort là. A traversé le Velux. Repos du conquérant, yes, on va pouvoir tout péter tranquille. Oui. Hop, ça c'est fait. De la vie, tu me diras, on va regarder Nio au-dessus, mais c'est pas très grave. Tout à l'heure, je stresse un peu parce que je me dis que si ma PS3 freeze ou si se passe un truc, je perds tout quoi. Gravité. Oh, gravité 7. Ça fait peut-être des dégâts ça. Bon, ça doit aussi bouffer pas mal, je pense en vrai. De 22 à 32. Parce que personnellement, en fait, je suis pas très convaincu par, par ça. On va faire ça. Attendez, on va faire un peu de rangement parce que. Ouais. Ok, truc 3 à la suite, ça peut être pas mal pour faire un combo. Il en faut 3 à la suite, mais il faut que ça fasse 5, c'est vrai. Et du coup, gravitron machin là, parce que j'ai 450. Du coup, méga gravitron, ça peut être cool quoi. Pour genre les rassembler dans un coin, parce qu'en plus c'est assez pété comme truc. Mais hop, on va faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attends. Quand tu fais ça. D'accord, ça les décale juste d'un cran, ok. J'ai eu un peu peur. Entre vous et moi, j'ai eu un peu peur.
Ouais, du coup 434, là j'ai vraiment plus assez. Parce que ça sert à rien de les combiner. Alors génie, voilà. Lance foudre plus, gravité plus ou stop plus. Ouais. C'est pas des masses super utiles. La carte Jafar par contre. Empêcher les ennemis de briser les cartes. Attaquer. Attaque que vous utilisez. Ça c'est cool, mais c'est valable que sur 20 attaques. Sachant que moi, la carte que j'ai mis et que j'active jamais, j'ai encore oublié de l'activer cette fois-ci, c'est une carte qui augmente de 1 tous les points. Et qui est donc valable sur 2 rechargements. Ce que je trouve plutôt cool, je le dis, hein. Pour le moment c'est une carte plutôt cool. Sachant que c'est sur les 100 coeurs de base, c'est d'ailleurs bizarre. Hein. Après, ne pas se faire couper, c'est cool aussi. Mais la plupart du temps, je me fais pas couper mes attaques. Et sur 20 attaques, en fait, je trouve que c'est pas rentable, en fait. Je trouve que c'est pas rentable. Parce que tu utilises vachement plus vite les 5 attaques, les 20 attaques, que 2 rechargements. Quoique, non, j'ai plus de 10 cartes quand même par rechargement. Ok, donc pour ça c'est bon, on va donc continuer la suite de l'histoire dans le Castle Oblivion. Dans le manoir Oblivion. Il ira bien. J'espère que le roi va bien plutôt. Quand même. Et alors ? Tout va bien, je me suis souvenu que Dingo et moi, nous sommes à sa recherche. Oui, c'est vrai, le roi a aidé à sauver le monde en restant de l'autre côté de la porte des ténèbres. Enfin, je crois. Non, c'est pas je crois, c'est vrai. Et moi, je cherche Riku. Il était avec le roi quand la porte s'est fermée. I guess there's no way we'll forget the most important memories. Allez, mec, si vous oubliez pourquoi vous êtes rentré dans le Castle Oblivion, ça va pas le faire. Les mecs, ils vont ressortir complètement Alzheimer. Je suis venu chercher mon chien. Enfin, je crois. Enfin, un truc comme ça, je crois. Non, c'est pas ça. Je parie que Riku et le roi sont toujours ensemble. Je pense aussi. Il faut vite qu'on retrouve le roi. Ça, je ne suis pas prêt de l'oublier. Allez, avançons dans l'histoire. Parce que c'est ça le plus important. C'est pour ça qu'on est là. You seem pretty intrigued by this Sora kid. Are you telling me you're not Larxene? Haven't decided yet. Je l'aime pas. I think what intrigues me more is what you see in him. There was a time he became a heartless, and if one becomes a heartless, they lose their minds and their feelings. They're consumed by the darkness. Mm-hmm. Right, but not Sora. Yep. He held on to his feelings even as a heartless. And there's only one other man who's been able to do just that. It's the strength of his heart. That's what interests you. Why the Keyblade chose Sora's heart. To unlock the mysteries of the heart. Isn't that the organization's mission? Mm-hmm. Sachant que tous ceux que vous voyez là, enfin si vous le saviez pas, on va dire, ceux de l'organisation, ils savent de quoi ils parlent parce que eux, ils ont en quelque sorte été mangés par les ténèbres en fait. If we did, what would it have been? I can't think of anything, so maybe that means that I really am losing my memories. Le mec, ça m'inquiète pas plus que ça. Je perds ma mémoire, mais je suis quand même content. Ça va. But whatever they were, they couldn't have been very important. Putain, le mec. Non mais ça c'est une excuse. Or else I don't think you would have forgotten it. Look. What is that? A good luck charm Kairi gave me. Yep. It's special to her. So I promised that I would return it. I'll never forget making that promise. It's why I could never forget Kairi. Retenez bien ce qu'il a dit. Am I right, Kairi? Ah, la petite Kairi. Bonk. Huh? Oh?
What the fuck? Do I know that girl? Le mec. Sorry. Désolé, je suis en plein bad trip là. Eh oui. Retenez bien ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'oublierait jamais Kairi. Hein. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Hein. C'est ce qu'ils disent tous. Ils disent tous ça. Ok. Alors, Kairi serait heureux si tu trouves Riku et que tu le ramènes. Oui. Ne perds pas le porte-bonheur que Kairi t'a donné. No problem, bro. Et on va avancer pour finir cet épisode, entrer dans le nouveau niveau que je pourrais nettoyer tout de suite après. Et donc, eh bien, allez, on va faire le Colisée de l'Olympe. Il faut bien y passer un jour. On va passer à la casserole maintenant. Comme ça, au moins, ce sera fait. En plus, on va récupérer une Keyblade assez puissante. Enfin, les cartes Keyblade assez puissantes, du coup. Et on sera débarrassé au moins de ce niveau que je n'apprécie guère. Enfin, je dis ça, mais alors que le monstro, en fait, je vais pas trop l'apprécier non plus. C'est loin d'être un niveau préféré. Très psychédélique, tout ça. Le Colisée. Regardez, un panneau d'affichage. Je n'ai jamais vu comme ça. Surtout pas dans Cache, hein. Regardez un avis. Olympus Colisée, Survival Cup. Ça alors. Non mais j'adore Jiminy comme il bondit quoi. C'est une compétition, ça s'appelle la coupe du Colisée de l'Olympe. Il s'agit d'une course d'obstacles où on affronte des adversaires en chemin. Écoutez ça, le grand héros Hercule participera au jeu. Youpi! Je sais pas qui c'est mais ça a l'air super. Il paraît qu'il n'a jamais été battu. Ça a l'air amusant, et si on s'inscrivait? Bonjour, on est dans un château mais là on visite des mondes qu'on a déjà visités qu'on s'en souvient plus. Et comme par hasard, on va s'amuser maintenant. J'étais sûr que tu dirais ça. Dès qu'il y a une compétition, il faut que tu y participes. Même sans nous, tu vas le faire, pas vrai? Oui. Ah, le vieux bâtard! Alors on fait mieux de s'inscrire. Attendez, il y a autre chose. Seuls ceux qui finiront l'épreuve d'élimination pourront participer à la compétition. Eh ouais, mec, l'épreuve d'éliminateur se déroule tout près d'ici. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Jiminy qui a disparu dans les bottes de Sora. Coucou. Forcément. On peut pas aller au Colisée de l'Olympe sans Hadès. Hercule est un modèle de force et de vaillance, le héros parfait. N'importe quoi. Alors comme ça il est parfait. Parfaitement énervant, oui. Rien que de penser à ce minute, ça me fait bouillir. Je l'enverrai bien à l'enfer. Vous m'avez engagé pour ça. You know my name, you know who I am. Je suis Nuage. I'm Cloud. Finalement, Finn m'a observé. Nuage, c'est ça? Tu dois battre Hercule lors des jeux. Et une fois qu'il sera en difficulté... Boum! Finis-le, fais ça pour moi. Et vous me rendrez mes souvenirs perdus, comme convenu. Tu as ma parole. Ah, tellement badass avec sa cape à moitié brûlée. Carte obtenue. Ah, le cher Cloud qui se fait toujours manipuler pour qu'on lui rende sa bien-aimée ou pour qu'on lui rende ses souvenirs. Il est toujours perdu, hein, Cloud. Colisée de l'Olympe. Et on s'arrête là pour cet épisode 4. J'espère que cet épisode vous a plu. On va se taper un petit Colisée tranquillement et après on enchaînera avec Monstro, très certainement. Mais pour le moment, je vais aller faire le ménage. Pas chez moi, mais bien dans le jeu pour aller nettoyer les cartes et continuer. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine donc pour l'épisode 5. J'espère que cet épisode vous a plu une fois de plus. Portez-vous bien d'ici là. Allez, salut à tous. My darkness paradise.